3, 2, 1, action. Quiz 2. Première question. Qui a été le premier président des États-Unis? À la belle. Washington. Washington, c'était quoi son prénom? Ah non, ça je sais pas. Non. Ok, George Washington. Bah, allez, un point pour toutes les deux. Allez. Bon. Généreux. Ah ok, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et Benjamin Castaldi, ça va, ça se passe bien? Et top à la vache. Cette question est très compliquée, les réponses sont très compliquées, soyez attentifs. Si on avait persuadé Elvis Presley et Bob Marley de s'accoupler, on aurait pu obtenir petit A. Ah, j'ai pas compris qu'il y avait des... Petit A, Elvis Marley, le Rasta King. Petit B, une baleine blanche avec des dreads. Petit C, des tubes comme Spliff Me Tender ou Coup du Blé Cruel. D, oui, mais alors on dit n'importe quoi et toutes les réponses sont possibles. Alors, la D. Oui, excellent. J'ai dit faire mal, Charlie Zer. Et donc, deux points pour Marion et une pénalité pour Julie parce qu'elle râle tout le temps. C'est vrai qu'on peut mettre une pénalité avec Julie. Bref, j'ai peur des ravages. Derrière, Eden, bien évidemment. Question 3, 4 propositions. Qui aime le plus le Ricard à l'agence? Octo. Ah merde! Octo, Fabien, Eden, Warno. Julie. Stéphanie de Monaco! C'est Fabien. Excellente réponse! Un premier point pour Julie, 2 pour Marion, 1 pour Annabelle. Fabien, on se réveille. Quatrième question. À quel nom doivent être les diagnostics? Bien. C'est du propriétaire. C'est une réponse. Quel nom? Moi aussi, il n'articule pas la machine. Mamie, elle n'entend pas. Hein? Donc on articule, s'il te plaît. Cinquième et dernière question qui pourra vous départager. Qui a déjà failli se faire péter les dents par Julie parce qu'il s'est amusé à coller des stickers? Non! Arnaud! Et c'est donc une victoire pour Marion Ganabé. C'est quoi cet arbitre là?